Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur 1626 Média. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, Madame Piwi sera notre invitée qui nous parlera du groupe FIM notamment. Également, Malek qui est parti à la rencontre de Nicolas Daprini, le directeur du Normandie à Saint-Lô, nous parlera de la suite des événements, comment refaire des concerts après le Covid. Et également, Nicolas qui nous parlera de jeux vidéo et aussi Florentin qui est parti à la rencontre du dernier maréchal Ferrand. Du Haras de Saint-Lô. Bonjour Madame Piwi, comment allez-vous? 1626 Média, ça va bien? Super, merci. Alors, je vais vous poser quelques questions concernant l'apprentissage, puisque vous êtes directrice, c'est ça de... Oui, responsable d'un responsable. Site. D'accord, très bien. Alors, quelle est votre mission exactement au sein du groupe FIM? Alors, la mission, c'est d'accueillir des apprentis au sein de notre structure. Et donc, en tant que responsable de ce site, c'est effectivement de mettre tout en œuvre pour que ces formations puissent se dérouler de la meilleure manière qu'elles soient. Et puis, d'encadrer aussi tous les 49 personnes qui travaillent avec moi et l'ensemble de ces collaborateurs, de les accompagner pour qu'ils soient au plus proche des apprentis. Très bien. Donc, le groupe FIM, en fait, c'est un centre de formation, c'est ça? Alors, le FIM qui a changé de nom en 2016, mais effectivement, comme il existe depuis 30 ans, tout le monde l'appelle toujours groupe FIM. Mais maintenant, on a enlevé le mot groupe, c'est FIM CCI Formation. C'est le centre de formation de la Chambre de commerce de Ouest Normandie qui est réparti sur le département de... je dirais de Cherbourg à Flers, hein, puisqu'il y a une petite partie sur l'Orne, sur la CCI Ouest Normandie. Donc c'est bien le centre de formation de la CCI Ouest Normandie. D'accord. Alors, quel conseil donneriez-vous aux jeunes afin de choisir plus une formation ou un emploi? Quel conseil donnez-vous plus aux jeunes? Alors, en termes de conseil, la première chose que je pourrais indiquer à un jeune, c'est de bien vérifier sa motivation pour rentrer dans le monde du travail. On est bien sûr dans un domaine de la formation et d'accompagnement, mais aussi qui allie le fonctionnement d'une entreprise. Et donc, il faut être capable d'accepter certaines contraintes que l'on n'a pas dans le système scolaire. Mais en contrepartie, on a d'autres avantages. Et donc, c'est de bien réfléchir sur sa motivation à rentrer dans le monde du travail et puis de choisir vraiment son secteur d'activité. Il ne faut pas choisir l'apprentissage par défaut, il ne faut pas choisir un métier par défaut, il faut choisir parce qu'on a envie, en tout cas pendant une période de son existence, de passer par cette expérience-là. On n'est pas obligé de faire ça toute sa vie aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un moyen de rentrer dans le monde du travail et d'associer la formation et l'expérience professionnelle. D'accord. Et alors, c'est plus des jeunes que vous voyez ou plus... Alors, c'est vrai que l'apprentissage, aujourd'hui, un contrat d'apprentissage est ouvert au moins de 30 ans. Alors, est-ce qu'effectivement, jeune, c'est moins de 30 ans? Oui, principalement, on voit des jeunes. Hein, c'est quand même la majeure partie de notre public. Après, l'apprentissage est également accessible à toute personne, quel que soit son âge, au-delà de 30 ans, dans le cadre des personnes en situation de handicap. D'accord. Donc, c'est pas fermé non plus à des personnes plus adultes. Oui, nous accueillons principalement des jeunes aux alentours de 20 ans. Quoi. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est dur pour les jeunes d'allier apprentissage et cours et tout ça? C'est forcément difficile. On a exactement la même formation, exactement le même contenu d'une formation qu'on va faire dans un système scolaire classique, tout en travaillant. Donc, il faut bien sûr allier les deux. Donc, c'est forcément... c'est pas plus difficile puisque du coup on apprend par le domaine professionnel, mais en tout cas on n'a pas ce rythme plus progressif que l'on va pouvoir avoir dans le cadre de l'apprentissage. Eh bien, on a des périodes de formation en centre où il faut être très concentré et pouvoir effectivement se préparer à cette période-là et puis changer de rythme. Et c'est souvent ça qui est difficile chez les jeunes, changer de rythme et retrouver le rythme de l'entreprise lorsqu'on est en entreprise. Donc oui, c'est un rythme difficile à prendre et c'est vrai que quand on rentre dans ce monde-là assez jeune, à 16 ans, 17 ans, les premiers contrats d'apprentissage, eh bien, il faut quand même quelques temps pour s'y habituer. D'accord. Ok, oui. Donc, du coup, on peut dire que l'apprentissage, c'est un peu une grande porte d'entrée pour l'emploi, en fait.
Ah bah, on voit bien les résultats hein, en termes d'insertion professionnelle. Il y a des meilleurs résultats lorsqu'on est issu de l'apprentissage en emploi parce qu'effectivement, on est habitué au rythme, on est habitué au fonctionnement, on connaît les entreprises, on connaît aussi le respect que l'on doit avoir vis-à-vis des collègues, la hiérarchie, etc. Donc, c'est facilitant. Donc oui, c'est une porte d'emploi sur l'avenir professionnel des jeunes. D'accord. Et du coup, pourquoi en fait l'apprentissage, ce serait plus une... l'avenir que par exemple un emploi direct ou... Alors l'avenir aujourd'hui on a une vraie communication je dirais vers l'apprentissage parce que effectivement comme on vient de le dire ça a les meilleurs taux d'insertion en emploi donc forcément comme on recherche le plus d'insertion possible, on va favoriser l'apprentissage. Mais ce n'est pas accessible à tout le monde, l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il en faut pour tous. Oui. Et donc, de ce fait, par rapport à la question que vous me posez, c'est cette volonté d'aller à tout prix vers l'apprentissage, oui, lorsque l'on est prêt, et on peut y aller à toute époque de sa scolarité. C'est-à-dire pour certains, parce qu'effectivement, on a une volonté à rentrer dans le monde du travail et avoir de l'expérience professionnelle rapidement, eh bien, on va y aller très jeune. Et puis pour d'autres, on va d'abord asseoir des compétences scolaires et une connaissance du système scolaire classique. Et puis après, on ira plus tard vers une voie d'apprentissage. L'avantage aujourd'hui avec l'apprentissage, c'est que vous pouvez vous former du CAP au master en apprentissage. Donc, il n'y a pas de limite. Ce n'était pas le vrai auparavant. Donc, c'est pour ça que tout s'est ouvert beaucoup. On avait tendance à dire l'apprentissage au préalable, c'est pour les personnes en situation difficile dans un système scolaire. Ça a été le cas pendant longtemps. Ça a été souvent une voie un peu de garage en disant, tu n'y arrives pas à l'école, tu vas aller vers l'apprentissage. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque effectivement, on fait des grandes études en apprentissage. Donc, c'est une méthode d'acquisition de diplômes, d'acquisition de savoir et d'acquisition d'expérience. Donc après, c'est des choix. Mais tout le monde n'est pas capable. Tout le monde n'est pas capable à 16 ans d'aller travailler. Tout le monde n'est pas capable à 18 ans. Tout le monde est certain, ça ne sera qu'après des études parce qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir exister et pour pouvoir se construire. Donc, c'est ouvert à tous, mais ce n'est pas la porte idéale pour tout le monde. D'accord, très bien. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous dis à bientôt sur 1626 Média. Au revoir, merci. Au revoir. Mais tout de suite, nous retrouvons Malek, qui est parti à la rencontre de Nicolas Daprini, le directeur du Normandie de Saint-Lô. Reste avec nous. Seize-vingt-six Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Mon nom, c'est Nicolas Daprini. Je suis directeur et programmateur. Alors, le Normandie, c'est un bâtiment qui n'est pas tout jeune à Saint-Lô, qui a été commandé par Napoléon autour de 1830. C'était d'abord un haras. Il appartenait au manège militaire de la ville. Vous connaissez le haras maintenant, et le premier haras a été ici. Ensuite, ça a été un cinéma. Et le cinéma, le Normandie avec un Y, ça vient de là. Nous sommes arrivés en 1996. On a commencé à faire des concerts, notre activité. Donc, il y a trois grands axes dans le Normandie. Le premier, c'est la diffusion de concerts. Le deuxième, c'est l'accompagnement, accompagner des artistes régionaux en voie de professionnalisation ou des artistes nationaux professionnels. Et nous faisons aussi beaucoup d'actions culturelles et d'actions pédagogiques. Alors depuis le 11 mai, les résidences sont reprises. On accueille plusieurs types d'artistes, des artistes amateurs, mais également des artistes professionnels. Donc ça se passe comme une résidence normale. Les artistes viennent ici pour préparer des choses. Alors la petite différence, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, un artiste vient préparer une tournée, il sait qu'il va partir en tournée. Un artiste vient préparer un concert, il sait à quel jour il jouera sur ce concert. Là, les groupes ont besoin aussi de se rassurer un petit peu parce qu'ils n'ont pas joué depuis longtemps. Donc la résidence se passe tout à fait normalement, sauf que c'est l'échéance. C'est-à-dire que voilà, c'est important pour eux de revenir sur scène, de s'approprier la scène et de préparer de futurs concerts qui, j'espère, arriveront dans un lointain assez proche.
Alors, on a annulé une vingtaine de concerts, ce qui est beaucoup. Donc, le premier impact, il est là. Notre façon de travailler aussi, aujourd'hui, en Normandie, nous sommes 8 salariés. Nous étions tous les 8 en télétravail. Donc, voilà, on a continué évidemment à travailler, à se projeter vers l'avenir et préparer les concerts, notamment les rendez-vous Sony qui auront lieu en novembre. En tout cas, je l'espère. On parle de distanciation sociale aujourd'hui. Nous, notre métier, c'est tout le contraire. Dans un concert, on est proche, on se touche, on boit des coups, on serre la main, on fait la fête. Les gens sont 800 généralement dans entre 800 et 400 dans le Normandie. Donc là, évidemment, on est dans tout, sauf dans les règles sanitaires. Alors la suite pour nous, on envisage une reprise assez rapide, même si aujourd'hui, c'est un grand flou pour nous. Il n'y a toujours pas de directive au niveau de l'État. On ne sait pas quand on pourra vraiment reprendre et quelles sont aussi les règles. Est-ce que les règles sanitaires nous permettront de refaire des concerts? On l'espère en tout cas et on travaille pour ça, et notamment sur les concerts de la saison. On prépare les concerts de septembre et d'octobre et également le festival qui est les Rendez-vous Soniques qui se dérouleront du 9 au 14 novembre prochain. Donc, je vais vous parler un petit peu des métiers autour des musiques actuelles et autour du Normandie. Donc, je suis responsable du projet artistique de la scène, de la salle, avec une programmation. Alors, les programmations des scènes de musiques actuelles, elles sont assez particulières parce qu'on accueille les artistes où ils ne sont pas encore très connus. Il y a des salles ou des gros festivals comme les Zénith ou Beauregard, pas très loin d'ici, ou les Papillons de Nuit, où là, les têtes d'affiche peuvent faire venir des milliers de personnes. Nous, on n'est qu'au début, c'est-à-dire avant Stromae, avant de faire des Zéniths, ils venaient en Normandie. Soprano, c'est pareil, et je ne cite que Angèle, par exemple, aussi est passée en Normandie avant de faire les grands festivals. Donc, il y a le métier de directeur programmateur, c'est mon rôle. Mais il faut accueillir aussi ces artistes-là. Donc, il y a une chargée de production. Il faut communiquer parce que c'est important de vendre des billets. On est une chargée de communication. Il faut compter aussi. Alors, comme il y a des métiers tout à fait classiques. De comptable par exemple, de directeur technique, et puis il faut accueillir tous ces artistes-là, leur faire à manger, donc il y a des cuisiniers, il y a des électriciens, voilà, le monde du spectacle, souvent on s'imagine un monde très spécifique, c'est vrai que ce secteur est spécifique, mais parfois il faut des compétences tout à fait classiques. Souvent, on me pose la question, on me dit oui, pour travailler dans le spectacle, il faut automatiquement être passionné. Donc, c'est peut-être mieux d'être passionné, mais un comptable, on va d'abord lui demander d'être un bon comptable avant d'être passionné de musique. Et la même chose pour un cuisinier ou pour un électricien. Voilà, un super reportage signé Malek. Tout de suite, nous partons à la rencontre de Nicolas qui va nous parler de jeux vidéo. Tout de suite sur 1626 Média. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Bonjour, c'est Nicolas, bienvenue sur 1626 Média. Aujourd'hui, on va vous parler de jeux vidéo, pas n'importe quel jeu vidéo, nos jeux vidéo préférés. Et pour commencer, c'est Marie qui s'y colle. Bonjour, donc je vais vous présenter Dragon Age Inquisition, donc le dernier de la trilogie, en fait, qui est sorti en 2014. Donc, pour raconter rapidement l'histoire, c'est en gros un RPG qui se déroule à Tedas, donc un continent dans un univers fantastique, où vous incarnez un personnage en quête de réponse sur fond de guerre civile, de conflits de factions, de complots politiques et du coup d'une invasion de démons. Ça a l'air très joyeux tout ça. Hein. Très. Sinon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les personnages en général ? Tous les personnages sont des personnages très intéressants. En fait, ils sont bien écrits, bien pensés. Ils sont tous riches et complexes, vraiment. J'aimerais bien être riche aussi. Ouais, c'est des bonnes créations de personnages. Est-ce qu'il y a des rapports avec les anciens jeux ? Oui, on peut. Toute l'histoire en fait est liée. Il y a des événements qui se sont passés dans les jeux précédents qui sont mentionnés dans le troisième, et on peut utiliser en fait les sauvegardes qu'on a fait sur les jeux précédents pour poursuivre avec les choix qu'on avait fait avant qui sont impactés dans le jeu le troisième. Est-ce qu'on joue le même perso du 1 au 3 ou est-ce qu'il y a un changement?
Ce sont pas du tout les mêmes personnages, ce sont pas les mêmes époques, entre guillemets, c'est différent à chaque jeu. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur Dragon Age? J'aime beaucoup ce jeu parce que on est rapidement pris par l'ambiance générale, par l'histoire et par la découverte du coup des PNJ et aussi par l'exploration. On se sent investi. Il y a des différentes races jouables. C'est aussi la création de personnages, aussi un aspect intéressant du jeu. Le monde est ouvert, donc ce qui rend l'exploration vraiment très intéressante. Il y a plein de choses à faire, des quêtes secondaires, des objets à ramasser, tout un tas de choses. C'est vraiment très complet comme jeu. C'est tout ce que tu avais à nous dire sur ce jeu qui a l'air très bien. Oui, a priori. Alors nous allons passer la parole du coup à Jean-François et Olivier qui vont nous parler de GTA V. Apparemment il va y avoir une coupure. Moi je ne sais pas, je ne suis pas professionnel, c'est la première fois que je le fais, donc il faut nettoyer les équipements à cause du Covid. Voilà. Mais sinon, un jeu que j'ai commencé, hein, Dragon Age Inquisition, plutôt pas mal. Hein. Bon, le 2 est en dessous de ça, hein, vraiment, c'est un peu vraiment le petit frère hein, qui est énervant, le 2. Mais sinon, le 1 et le 3, ils sont plutôt pas mal. Hein. Je décède cordialement. Merci. Alors, du coup, Jean-François, Olivier, parlez-nous de GTA V. Alors, pour jouer à GTA V, il ne faut pas de talent à part connaître les touches sur la manette ou sur le clavier. Ça devrait aller, du coup. Hein. Je devrais pouvoir me débrouiller. Oui. Et sinon, mis à part le talent, qu'est-ce que c'est GTA V? C'est GTA V. L'histoire, c'est quoi? Le gameplay, c'est quoi? On peut faire plein de choses sur GTA V. Par exemple, des courses, des missions, des versus, des braquages et de la production. Okay, ça, c'est beaucoup de choses que je ne connais pas. Hein, versus, production, casse-casque. On va revenir plus tard, c'est ça? Oui. D'accord. C'est quoi l'histoire du jeu sinon? Parce que même si vous jouez online, il y a quand même une histoire dans le jeu de base. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous laisse, Olivier, pour parler du début. Vas-y, Olivier, c'est ton moment. Okay. On commence un braquage avec Michael, Trevor et Franklin. Plus un complice qui fait le civil. Michael se fait choper par un flic pendant le braquage. On peut incarner Franklin pendant que Michael était en danger. Franklin a tué le flic avec une balle dans la tête. Après, ils sont partis du braquage et puis, un moment à l'autre, Trevor s'est fait tirer dessus, plus un qui était dans le véhicule pour conduire, plus un autre qui aidait le braquage. Plus tard, Trevor il se barre et puis apparemment, ils disent que Michael est mort. Alors, tu nous as résumé quoi là? Le début du jeu, c'est ça? Ouais, vite fait, début. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire du coup au niveau des choses que je n'ai pas compris avant? Parce que les gens ne vont pas forcément comprendre si je ne comprends pas. Je suis bête, c'est pour ça. Michael, c'est un retraité. Que Trevor, c'est le psychopathe du groupe. Et que Franklin, c'est un ancien membre de gang. Alors, c'est pas ce que j'ai demandé, mais bon, c'est pas. Mis à part du coup leur trait de caractère, qu'est-ce que dans les activités que tu m'as citées tout à l'heure, qu'est-ce qu'était le versus et qu'est-ce qu'était la production hein, de souvenirs? Qu'est-ce que c'est? Le versus, c'est un versus avec des joueurs. Mmh. En fait, on doit se tuer entre nous pour gagner, en fait, pour avoir de l'argent, en fait. Simplement. Et puis le production,
On va chercher des... On va chercher, par exemple, du matos pour la drogue, un truc comme ça. Super. À un point A, et puis en livre, un point B. Y a plusieurs... La boîte de nuit, il faut faire de la pub pour qu'il y ait des PNJ qui rentrent chez vous pour avoir de la... Qu'est-ce qu'un PNJ ? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un PNJ. Un PNJ ? Oh, c'est comme si c'était un bot, en fait. Ah, c'est vraiment toujours pas la bonne définition. Bon, je vais dire, PNJ, c'est un personnage non-joueur, donc c'est une intelligence artificielle dans le jeu qui joue, par exemple, le passant, lambda. Passant. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez autre chose à dire sur GTA ? Votre capital est-il énorme ? Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui a réussi votre vie sur ce jeu vidéo ? Ou est-ce que vous êtes des mecs dans le caniveau qui vraiment ont du mal ? Moi j'ai réussi. Moi. J'ai réussi ma vie. C'est incroyable. Ouais, j'ai réussi. Oui. Ouais. Toi, Jean-François, est-ce que tu as réussi ta vie ? Je partage un compte avec quelqu'un, du coup, pour faire des projets ou des investissements, c'est compliqué. C'est toujours compliqué, genre le partage de comptes. Hein. Oui. Ouais. C'est une bataille. C'est le compte de qui à la base ? Est-ce que tu l'empruntes ou est-ce qu'il te l'emprunte ? Après, hein, si tu t'accroches sur le compte aussi. Hein. Du coup, c'est à mon tour. Je vais vous parler du meilleur jeu du monde, The Witcher 3, qui a été d'ailleurs élu meilleur jeu de l'année, meilleure adaptation de l'année, tout ça. Donc forcément, c'est qu'il est bien. Alors, du coup, The Witcher 3 est un jeu vidéo polonais de type RPG. Donc RPG, c'est jeu de rôle, hein, globalement. Hein, donc on incarne un personnage. Développé par CD Projekt Red, du coup un studio polonais, et publié le 19 mai 2015. Et c'est le dernier de la trilogie des jeux The Witcher. La trilogie The Witcher est une adaptation des romans polonais sorceleurs écrits par, attention, Andrzej Sapkowski. Il les a écrits de 1986 à 2013. Pour raconter globalement le synopsis, alors du coup, on incarne Geralt de Rive, un sorceleur. C'est un mutant chasseur de monstres pas très aimé par les populations humaines. Mais qui peut quand même se montrer fort utile quand un griffon vient choper le petit Billy qui joue à saute-mouton dans le champ d'à côté. La trame principale du jeu consiste à chercher sa fille adoptive Ciri, car elle est pourchassée par un escadron de cavalerie fantomatique qui peut voler en chevauchant, ce qui est quand même vachement stylé, et qui s'appelle la chasse sauvage. Tout ça sur un fond d'invasion des royaumes du Nord, c'est là où on est, par l'Empire du Nilfgaard qui est plus au sud. Une intrige de succession dans les îles de Skellige, donc en gros c'est les îles vikings, et de fanatisme religieux qui engendre des massacres de non-humains et de mages. Toujours la bonne ambiance. Hein. Ah, mais bon, c'est The Witcher, hein, c'est gris, c'est pas blanc ou noir. En plus d'une quête principale excellente, les quêtes secondaires sont toutes très bien écrites et proposent une petite histoire quasiment à chaque contrat. Les choix faits dans les quêtes sont très souvent un impact sur l'histoire, ce qui met encore plus le joueur au centre du récit, et ces choix peuvent aller de chasser une créature d'une telle ou telle manière, donc soit le piéger, soit l'attaquer de front, jusqu'à piéger un vieil ami pour le bien commun des royaumes. De plus, les choix faits dans les deux anciens jeux ont des impacts possibles dans The Witcher 3. Les deux DLC, donc les DLC c'est des contenus téléchargeables payants, donc c'est des trucs additionnels qu'on a après la sortie du jeu. Il y a du coup Hearts of Stone et Blood and Wine, ils sont vraiment d'excellentes factures, c'est vraiment les meilleures extensions de ces dernières années. Hein. Et ils sont maintenant intégrés en plus dans la version définitive du jeu, qui coûte plus cher mais du coup plus de qualité. Le jeu comme la trilogie aborde aussi... des problématiques importantes comme le sexisme, la xénophobie, le racisme, l'homophobie, tout ce genre de trucs qui sont encore d'actualité aujourd'hui malheureusement. Les personnages sont pour la grande majorité très bien écrits, que ce soit Ciri, Geralt ou un paysan qui pleure la mort de sa fille. Ils ont tous un traitement aux petits oignons, qui sont vraiment les scénaristes du jeu ont vraiment fait un travail incroyable là-dessus. En plus des choix des anciens jeux, il y a aussi beaucoup de références à ceci, hein, des personnages, des actions du joueur, etc. Et aussi pour les personnes qui ont lu les livres, il y a des personnages des livres qui apparaissent et des histoires qui sont évoquées.
Les graphismes, bah, pour un jeu qui date de 5 ans, c'est quand même vraiment, ça tient encore vraiment bien la route. Hein. En plus, les panoramas sont magnifiques, il y a vraiment des paysages incroyables. En plus, entre chaque zone, il y a vraiment une différence qui se voit, hein, parce qu'entre les royaumes du Nord, qui sont en gros la Pologne médiévale, les îles de Skellige, qui sont globalement l'Islande, et la zone de Toussaint, qui est la fusion entre les vignobles français et l'Italie. C'est vraiment magnifique. Du coup, grâce à son gameplay et son scénario, The Witcher 3 permet de comprendre que la préparation de stratégie pour n'importe quelle tâche est très utile et que ses choix ont souvent des compétences bonnes ou mauvaises, enfin bonnes ou mauvaises. Et sinon, bah, pour revenir au niveau du prix, le jeu avec les deux DLC, ça coûte 50€, mais c'est très souvent en promo. Moi, j'ai joué 143 heures, hein, ce qui est quand même une bonne durée de vie. Hein, si on compte une heure, 1€, c'est quand même largement rentable. Pour revenir sur la politique des DLC de CD Projekt, au lancement du jeu, ils ont lancé le jeu en retard. Du coup, tous les DLC cosmétiques et d'équipement, donc armure en plus et ce genre de choses, ont été donnés gratuitement. Et pour conclure, en toute objectivité, c'est le meilleur jeu du monde. Voilà. Du coup, c'était tout et au revoir. À une prochaine. Et pour conclure cette émission en beauté, Florentin est parti à la rencontre du dernier maréchal ferrant du haras de Saint-Lô. C'est tout de suite sur 1626 Média. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Alors, c'est Denis Pilon, je suis maréchal ferrant au haras de Saint-Lô. Je suis dans les haras depuis 36 ans. J'ai fait 16 ans au haras des Pins et ça fait 21 ans que je suis au haras de Saint-Lô. Agent des haras. J'ai fait ma formation de maréchal ferrant infirmier, en faisant une formation sur 3 années. Notre travail est surtout de travailler sur les pieds de chevaux, tout ce qui est ongles, ce qu'on peut appeler ongles, le pied, comme c'est une boîte cornette, la ferrure, la forge. Il faut savoir que le pied d'un cheval, ça pousse environ 1,5 cm à 2 cm par mois, alors on taille. On ajuste les fers, enfin on taille, on vérifie les aplombs, c'est très important. On ajuste les fers, alors une ferrure revient à peu près tous les 2 mois. Voilà. Alors on peut faire, moi je fais aussi bien du sel français, du poney, percheron. La ferrure à l'anglaise, c'est tout seul. Le maréchal prend le pied du cheval entre ses jambes et il travaille. Et la troisième façon, ça va être dans un appareil à ferrer, pour les gros chevaux de trait qui sont plus difficiles. Dans l'appareil à ferrer, on travaille un peu comme à la française. Il y a eu jusqu'à 7 maréchaux et un chef de forge. À l'époque, il y avait 280 chevaux. Quand j'ai commencé, il y avait encore 115 chevaux. Il était 3 maréchaux. J'assurais la ferrure des 115 chevaux.
Ce qui est très important, c'est de bien connaître les chevaux, connaître leur comportement, les aimer aussi, et puis aussi toute la pratique après, tout ce qui est forge, voilà, qui est très important, assez difficile. Bien connaître tout le pied du cheval, parce que si on fait une erreur sur le pied du cheval, on peut le prendre à fin, hein, on peut lui mettre un handicap, c'est très important. Si au bout de 3-4 ferrures, il y a un mauvais travail, eh bien on peut rendre un cheval tordu. Où c'est très important, c'est quand on arrive à avoir des chevaux qui sont devenus très boiteux suite de blessures et tout, accidentés du pied, qui normalement ne peuvent plus travailler. Et avec notre savoir-faire et l'orthopédie, on arrive à, et aussi accompagner des vétérinaires aussi, qui nous aident bien, parce que maintenant on arrive à tout. Et j'ai eu la chance d'avoir réussi ce qu'on avait engagé, et que le cheval a pu continuer sa carrière. Ça a duré un an et demi, mais le cheval est parti sur 4 pieds. Ce sont des grosses satisfactions. Déjà, on a déjà deux sortes de pieds sur un cheval. Un postérieur qui est beaucoup plus ovale, un antérieur qui est beaucoup plus rond. Vous voyez déjà la différence. Si la paroi est cassée, c'est à nous d'ajuster le fer pour pouvoir lui poser son pied correctement. Là, on est en ferrure simple. Après, on peut passer en orthopédie. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Un cheval est difficile, faut essayer de trouver la raison. La brutalité n'a jamais remporté. C'est un peu comme les humains, vous savez, il y a des fois où on s'entend avec certains chevaux. On a un autre collègue qui ne va pas s'entendre avec, et ça peut être vite faire ça. C'est un fluide qui passe entre nous le cheval. Le caractère, avec les personnes, c'est exactement pareil. C'est notre savoir-faire, c'est ça. Pas hésiter, faut pas être buté, faut pas hésiter de demander même conseil à d'autres, hein, même à des plus jeunes que nous, qui ont déjà vu certains cas, ça c'est pas déshonorant, au contraire, hein, parce que moi j'ai eu demander des conseils à des stagiaires que j'ai eus, hein, qui ont fait la formation avec moi, et même quand on bute sur quelque chose ou quelque chose qu'on a moins vu qu'eux, pas hésiter de demander conseil à des collègues ou à des plus anciens, même des plus jeunes, qui ont vu des cas que nous n'avons pas vus, et aussi l'aide des vétérinaires qui est très importante. C'est assez difficile quand même, parce qu'il faut savoir que le comportement des animaux, il faut bien le connaître, il y a travaillé avec, enfin tout métier, il y a des risques partout. Le risque de prendre des coups, et la forge qui est quand même assez très difficile, mais quand c'est quelque chose de passionnant, on le regarde. Thank you.
Voilà un super reportage signé Florentin. Merci d'avoir été avec nous sur 1626 Média. On remercie le Centre Mercier pour leur accueil ainsi que tous les reporters qui ont fait des petits reportages bien sympas. On espère vous retrouver très bientôt sur 1626 Média. Merci beaucoup, au revoir. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.